الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et fin arrive à Hadith 45, le troisième Hadith qui Imam Ibn Rajab fin ajouté l'Arba'un al-Nawawiyya. Toujours nous lire Hadith là, ensuite nous guide l'explication qu'il n'a pu donner. Et avant tout, nous faire doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala donne nous la santé et donne nous courage pour nous faire, nous terminer ces 10 derniers jours qui restaient devant nous de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous taufir pour augmenter nos bonnes ibadat, pour passer plus beaucoup de temps de ce dhikr, de ce rappel dans ce bonnes ibadat. Et qu'Allah ta'ala de nos bonnes frères, bonnes soeurs qui sont malades de la santé, et tous les musulmans à travers le monde aussi la santé, pour être capable de faire un bon Ramadan. Et nous prenons précaution que Shaitan ne pas prendre depuis de nous les temps avec ban kitseuse qui moins important. Alors nous quittons ban kitseuse qui moins important pour nous passer avant 10 derniers jours qu'il y a devant nous là, ou bien 11 derniers jours, à partir de demain, vos proches vont faire rire là, et ban frère, supposément, et ATKF, supposé commencer. Alors qu'Allah SWT lui facilite pour nous ban ibadat dans ces 10 derniers jours là. Et nous lisons hadith là. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة. جابر بن عبد الله لجيا كلي فنتان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيا l'année de la conquête de Mecca. Alors que le prophète صلى الله عليه وسلم تي دا مكة ميم يقول لفنتان للبروفيت جيا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. Certainement, Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, fin fait haram la vente du vin. Fin fait haram la vente du vin. Intoxicant, la boisson. والميتة, les animaux qui mourent, sans qu'ils fin fait zaba. والخنزير, époque. والأصنام, et ben idole. فقيل, alors, ben, j'ai une question, ou bien une personne qui me pose question. Ya Rasulallah, ara'aita shuhum al-maita, au messager d'Allah. Une personne qui me pose question, au messager d'Allah. Est-ce qui te peut dire nous concernant la graisse de ban animaux qui finent mort? Vous trouvez un frère, il mentionnait Pénasson. Vous ne croyez pas si vous trouvez les autres frères, Péria. Alors, mes pensées sont les bons, hein? Frère Nizam Box, je trouve une écrit là-bas. Alors, mes pensées sont là, les bons. C'est une question qui fait connaître. Nous continuons. Ça peut être une personne qui pose question, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah, ara'aita shuhum al-maita. Au messager d'Allah, qui te pensait concernant, qui te peut dire nous concernant la graisse de bons animaux qui finent mort? Qui pas fin faire zabah de façon de tariqa shari'iyya. Fa innahu yutla biha as-sufun. Parce qu'avec ça, la graisse de sa banzani moumoula, nous passa l'oban batu. Wa yudhanu biha al-junoud. Et servissa l'oban la peau. Nous peut expliquer qui veut dire. Servissa l'oban la peau de banzani mou. Wa yastasbihu biha nas. Et ban dimoun. Zot alim zot la lampe avec sa la graisse là. Qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dia la non. Huwa haram. Li haram ça. Thumma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inda thalik. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dia qatala Allah al-Yahoud. Kalla li détruire ban juif. Inna Allah harrama alayhim al-shuhum. Allah in fait haram l'ozut, la graisse des animaux, thumma ba'ouhu. Ensuite, je fin van, sa, fa ajmalouhu, je fin fun sa la graisse là, thumma ba'ouhu. Ensuite, je fin van li, fa akalou thamanahu, et je fin mange ce prix. Je fin mange ce prix. Hadith rapporté par Imam, Bukhari et Muslim. Alors, il y a une place qui, naturellement, n'est pas besoin
il demande explication, il fait une traduction très littérale qui, naturellement, n'est pas claire. Alors, il nous peut expliquer. Premièrement, narrateur de ce hadith-là, Jabir bin Abdillah, radiyallahu anhu. Je finis déjà par la biographie de ce sahabi-là. Si moi, je un troisième et quatrième hadith. Et Jabir bin Abdillah, c'est ça même ce sahabi qui finit acheter un chameau ou bien une monture. Il finit faire un voyage de un mois pour y aller apprendre un hadith. Et nous, tu mentionnes ça quand tu passes l'eau. Jabir bin Abdillah, sous un détail biographique. Alors, ce sahabi-là, Jabir bin Abdillah, il dit qu'il finit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire l'année de la conquête de Makkah. Nous connaissons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait fait Hijra, il était dans Madina, il reste dans Madina, il fait wafat dans Madina même. Mais l'année 8, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Madina et il allait faire conquête de Makkah. C'était l'année 8 de Hijra. Et c'était dans le mois de Ramadan. C'était dans le mois de Ramadan. Pareil que ma bataille de Badr, c'est la première victoire de l'islam. Grande bataille de l'islam. Badr, c'est une victoire pour les musulmans. Comme ça même, la conquête de Makkah fut faite dans le mois de Ramadan. Donc, le mois de Ramadan, c'est le mois de la victoire. Le mois de la victoire, le shaitan, le propre nafs. Et Inch'Allah, la victoire contre l'ennemi. La victoire contre l'ennemi. Et le trouver. Ben, la loi qui peut passer à travers le monde. Alors, nous faisons dua avec Allah, subhanahu wa ta'ala, les protège nous contre complot de ban comploteurs, contre ban plan qui ban Yahoud peut faire. Et ça, c'est pas aujourd'hui, ça. Allah, ta'ala, depuis combien siècle, 14 siècles, c'est pas depuis tous les temps, ban Yahoud, il fait complot. Yahoud et Nasara, jamais je ne peux satisfaire avec toi jusqu'à ce qu'ils te suivent, je te mille lettres. Alors, c'est ça, depuis commencement, depuis la guerre, elle a commencé depuis Iblis. Depuis Iblis, les vignes sont ban alliés. Ils prennent forme. Iblis, il a son ban allié parmi les djinns, mais les djinns n'étaient pas nas. Shaitan, il a son ban allié parmi les djinns et les djinns. Alors, plan-là, il est tous les temps, ça. Plan-là, il est tous les temps. Nous bisons attache nous fermement avec. Nous dit, parce que sans nous dit, nous ne sommes pas capables, sans connaissance de nous dit, nous ne sommes pas capables dans cette direction. Et aussi, nous trouvons, Hudhayfa, chaque fois, nous mentionnons les mêmes affaires. Hudhayfa, quand il pose question le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant le mal qui peut arriver après. Trois fois, il pose question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les bédimens concernant le mal, le prophète n'a pas répondu aux questions. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Ya Hudhayfa, ta'allam kitab Allah ou amal bima fihi. Oh Hudhayfa, apprends le livre d'Allah et fais action dans le livre d'Allah. Fais action dans ce qu'il y a dans ce livre-là. C'est ça le secours contre le mal. Le secours contre le mal qui va comploter, peut faire, qui va comploter, c'est apprendre le livre d'Allah et faire amal dans le livre d'Allah. Nous, pour nous-mêmes, nous faisons. Mais pas Allah subhanahu se dit nous vin faux. Pas Allah subhanahu se dit nous vin faux. Et tant pour une chirque de l'homme, tant pour une la négligence de l'homme, on se dit Allah subhanahu. Jamais Allah ta'ala se l'aide pour descendre. Allah ta'ala finit de l'aide à ban sahaba. Nous pouvons trouver que moi, ici dans ce hadith, il est mentionné, c'est sahabi là, puis déjà il vient d'attendre le prophète, il dit sa parole là, quand c'était la conquête de Makkah. Ben, les musulmans, ils luttaient. Il fait hijra, il quitte Makkah, il fait sacrifice, je dis bien, je ne quitte cette famille, je ne quitte ce commerce, je n'allais dans Madina pour établir l'État islamique là-bas. Et à partir de là, je finis affaire à envoyer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit envoyer ben Sahaba pour le faire dawa. Et ben Koufar de Makkah, tous les temps, tu peux faire complot pour attaquer Madina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit prendre cela en main. Il y a un événement avant ça qui explique la conquête de Makkah, mais ce n'est pas notre sujet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de prendre l'armée, finit de faire conquête de Makkah. Donc, pour nous faire victoire, apparemment, c'est pour suivre la méthode de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour suivre ce que Ban Sahaba finit de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, Ban Sahaba finit d'obéir. Je finis de suivre ce leadership.
Et je t'y unis sous leadership de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette réflexion t'y base le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à partir de là qu'il a victoire divine. C'est à partir de là qu'il a victoire divine quand l'Umma lui prend Coran et Sunna comme ce source de guidance, ce source de réflexion. Quand nous réflexions les bases de Coran et la Sunna, là nous actions pour un accord avec nos réflexions. Parce que nous réfléchissons les bases de Coran et Sunna. Donc c'est ça, à cause ça, c'est le premier pas, c'est qu'on t'y apprenne. Apprendre le Coran, apprendre Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Jabir bin Abdillah, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait entendre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit sa parole qu'il peut dire après là, c'était l'année de la conquête de Mecca, et le prophète est encore dans Mecca. Et sa parole qu'il fait dire là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa bi Mecca, il est encore dans Mecca. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire « Inna Allah wa rasuluhu harrama bay' al-khamr » Certainement, Allah et son rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient faire haram la vente de khamr, de du vin. Du vin, ben, intoxiquant, ben, quelque chose qui occasionne sous les eaux. Alors, al-khamr, comment on vient dire du vin, tout quelque chose qui considère, qui donne, tout quelque chose qui donne sous les eaux, c'est khamr. Al-khamru ma khamar al-aql. Le mot khamara dans la langue arabe veut dire couvert. Le mot khimar. Khimar de la madame, c'est ce hijab qui lui met l'eau sur la tête et qui descend l'eau sur les côtes. Ça. Wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Qui va madame, je te mets ce khimar et je te rabatte ce khimar, le jet de la poitrine. Veut dire, je te mets une petite chose qui couvert la tête, comme qu'on appelle hijab, et il descend, il couvert sa madame là sur la poitrine, il couvert sur les formes les corps. Ça, c'est khimar. Dans même l'origine de ce mot-là, nous avons khamr. Khamr, c'est la boisson. La boisson alcoolique, c'est le vin. Donc, toute petite chose qui occasionne, fait un démon sur l'esprit enlevé, il couvert sur l'esprit, démon n'est pas capable de servir sur l'esprit, il rentre dans le mot khamr. Donc, ben, la drogue aussi, pareil. Ben, la poudre qui démon prend, cocaïne, pour gagner sous les eaux, c'est khamr, tout ça là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith dans Al-Bukhari, mentionné Kull muskirin haram. Tout ça qui donne sous les eaux, les haram. Donc, un djimoun, il n'est pas capable de dire mais moi, je prends sirop. Sirop, ce n'est pas divin. Hein, il y a ce sirop de la pharmacie, sirop tout ça, après il boit, après il dit non, mais ça, ce n'est pas. Non. Tout quelque chose qui donne sous les eaux, ça, il enlève l'intelligence, un djimoun, c'est khamr. Donc, ici, Hadith avait mentionné, certainement, Allah et son Rasoul fait la vente du khamr haram. Donc, trouvez le prophète qui servait le mot, Inna Allah wa Rasoulahu. Harrama. Alors, ici, nous trouvons le mot harrama dans la langue arabe, les singuliers, le verbe harrama. Pas de mention harrama avec un alif, les pas duel. Alors, maintenant, on va expliquer qui fait. Inna Allah wa Rasoulahu. Allah et son Rasoul fait haram. Veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il transmet depuis Allah. On va dire c'est la source. Ça, la source Coran et Sunna, c'est la source divine. À base de la législation, les bases de la législation dans l'islam, les bases le Coran et la Sunna. Et la législation de Dine à l'islam est venue pour libérer l'homme de l'esclavage, à ban les autres formes, à ban fausse divinité. Get azodi par la loi de devenir esclave, par la loi de ban être humain. Insan il fait la loi de son avantage. Insan man qui dirigeait, je te fais la loi pour tasse ou la main pour venir être esclave. Ici quand Allah et son Rasoul peut dire Inna Allah wa Rasoulahu harrama bay' al-khamr, certainement Allah et son Rasoul il fait divin haram. Mais à l'époque là dans l'islam il venait et Dimon tu peux boire, tu es dans la vente de divin, alors tu es capable de trouver ça une source de revenus. Tu es capable de trouver ça une source de revenus. Il y a un casse avec ça. Pas comme aujourd'hui, ben, la loi qui est dans le pays. Jamais je vous fais quelque chose pareil, vin haram, cigarette. Je vous mettez un advertisement, l'eau cigarette la même, qui lui fait du tout la santé. Mais seulement, il y a un lobby, un capitaliste, comment pour gagner un casse si pas vendre cigarette. Alors, pas pour capable de décréter comme interdit. Par contre, la loi Allah, c'est la loi qui
li dan l'intere insan. La loi ki Allah ta'ala revele, li pa influense pa insan sou kapris. Get kouman zo di, ban ki fè la loi, zot fè la loi da zot l'avantaz. Pou zot kapav pes le peplan anko plis, pou tiezi anko plis, pou zot kapav renyen plis, e pou zot kapav zuyen plis. Se sa l'islam. L'islam se la deklarasyon de gyer kon ban fos la loi. E di moun pa ou kon kompon sa ka zot gen zot kou, lè la. E sa si se pa pou kompon, fane di moun la servis ou l'esprit. La loi Allah ta'ala kon l'invini, li pa get klas sosyal. La loi Allah ta'ala li get tout di moun parey. La loi Allah ban saman di la sharia, ja'at li maslahati l'ibad, ja'at li jalbi l'maslaha wa daf'i l'mafsada. La sharia invini pou amen di bien pou di moun et pou repousse di tout depi di moun. La loi sharia invini parce que Allah li pa bizan anye avec nous. Et la loi Allah li eternel, li valide pour tous les temps, pour tout lieu. Et pour ça même quel musulman il a guerre, il a guerre pour la loi Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le vrai combat. C'est pas un combat dans vide, un combat pour une couleur politique, pour une partie, tir un zalim pour remplacer par un autre zalim, tir une couleur pour remplacer par une autre couleur. Parce que tout ça là c'est du monde et surtout c'est les kafirs. Ils suivent passion, ils pas suivent Allah subhanahu wa ta'ala sur la loi. Donc musulman bien réfléchir ça. Quand il y a un man cool, il bien comprend. Mais nous, la lutte, c'est ça. La lutte, là, depuis tout le temps, il est comme ça. Pas à ce stade-là, ça. À ce stade-là, quand il peut trouver les choses, puis empirer. Là aussi, tout le monde peut encore réfléchir dans la direction qui est là. Il peut calculer, non, mais il ne peut pas dire votre sanala. Mais non, tout ça, là, il est pour le règne pour la loi insane. Il est pour régner pour la loi insane. Donc, Allah, Ta'ala, il donne nous une constitution. Coran et la Sunna. C'est ça qu'un musulman les lutter le sur la terre là. C'est ça combat d'un musulman. Les lutter ce djihad, cela lutte c'est établir la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna Allah wa rasuluhu harrama bay' al-khamr. Allah et son rasoul in fait haram la vente de du vin. Donc il a dit pas parce que c'est dans bois là. Il a dit parce que c'est dans bois là. Là, les pécoses concernant van divin. Van divin. Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, fin fait haram la vente du vin. Wal meita. Zanimo kin mou. Qui veut dire zanimo kin mou? Veut dire un zanimo qui. Parce que la question qui. En fait, comment dire un lichin kin mou? Ça, la question se pose pas parce qu'il y a une déjà sat. Un satin mou. La question se pose pas concernant sa ban zanimo mou. Ça pas manger même ça. Ça li haram même ça. Là, quand on dit maïta, c'est ban zanimo qui nous gagne à consommer, mais pas fin faire zaba, comme on dit. Ou bien, il fait malade, il fait mou. Un bif, une tombe, une mou. Un cabri, un mouton. Alors, pas gagne à vendre sa ban zanimo là. Zanimo qui mou, qui pas faire zaba avec lui, de façon sharia. Pas gagne à. Naturellement, l'exception est faite pour. Poisson. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Uhillat lakum maitatan wa daman. Il y a deux types d'animaux mots qui permissent pour nous. Al-jarad ou al-hout. Locuste, sauterelle. Et al-hout et poisson. Nous connaissons sauterelle, sa longue animaux, sa créature, sa insecte, qui vit dans beaucoup quantité dans l'Arabie, vous trouvez dans l'Afrique. Il y en a Mauricie, mais c'est moi. Il y a un autre type qui est long dans l'Arabie. Il y a un insecte qui les détruit dans le champ. Alors ça, le prophète dit, sommeil, t'as ça qui mort, gagnera manger ça. Right? Ou gagnera manger ça. Et deuxième, c'est poisson. Poisson qui fait le mort. Poisson qui fait le mort, ça ou gagnera. Ça ou gagnera manger. Ou gagnera manger naturellement parce que poisson va faire ça avec lui. Donc l'exception est faite pour ça des quitteuses là. Al-Jarad avec Al-Hout, poisson. Donc nous trouvons Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, l'infer la boisson et les fins faire la vente de khamr du vin et des animaux mou haram. Donc un animal est tombé une mou pas gain droit vendu ou pas gain droit vendu. Deuxième wal osnam et plusieurs troisième c'est ban idole. Hein, dans l'époque du prophète alayhi wa sallam dans Mecca, quand le prophète alayhi wa sallam il prend contrôle de Mecca, mais qui sont nous connaît qui fait Rasoul alayhi wa sallam, quand il fait conquête de Makkah, il rentre côté Kaaba,
Il commence crase tout ban idole. Il commence crase tout ban idole qui est autour de la Kaaba. Il y a 360 idoles de cette époque-là autour de la Kaaba. Mais bon, c'est là, quand il conquérit Makka, quand on peut lire dans Sirat al-Nabawiyya, on peut trouver qui les fin crase sa ban idole-là. Les fin tient sa ban idole-là depuis côté de la Kaaba. Parce que ça, c'était premier l'objectif de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Établir le tawhid. Établir l'unicité d'Allah, le raté Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes ses formes. Donc, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, donc ici qu'il veut dire, pas gain droit, van, khamr, la boisson alcoolique. Deuxième, pas gain droit, van, ben zanimo kinmo. Et troisième, et avant idole, l'une de ces mots-là, al-khinzir, pauk. Alors, pauk, ça c'est une petite chose qui, naturellement, le Coran, clairement, Allah ta'ala, il fait haram pour manger. Et van, pauk aussi, pas gain droit. Pour un animal de sa nature qui est impur. Un animal qui est impur. Ou l'asnam, eban idole. Eban idole. Donc, ni gain droit à deux idoles, ni gain droit à un du monde pour fabriquer ban idole pour vendre. Alors, donc, ça, c'est haram. Donc, ça, c'est quelque chose qui est clair. Donc, ça, c'est quelque chose que le prophète a mentionné. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Allah et son Rasoul fait haram la vente de du vin, la vente de la boisson alcoolique, la vente de porc, la vente de ban idole, veut dire quatre qui tuent plutôt. La vente de porc, la vente de ban idole. À ce faqir, une personne fait une pose question. Une personne fait une pose question. Ya Rasulallah, ara'aita shuhum al-mayta, ô messager d'Allah, qui vous pouvez nous informe nous concernant la graisse de bans animaux, la graisse de bans animaux qui mourent. Al-Maita. Toujours quand on peut dire des animaux qui mourent, on peut cause des animaux qui nous consomment. Hein? Bœuf, cabri, des animaux qui nous mangent. Et alors, Rasulallah, qui vous pouvez dire nous concernant la graisse de ces animaux qui finissent tombés fin mort? Alors, fa'innahu yutla biha as-sufun. Parce qu'avec ça, la graisse-là, ben, des animaux ne passent pas au bateau. As-sufun. Alors, quand nous avons une explication, qui veut dire prend la graisse des animaux, passe le bateau, ben le bateau en 10 bois. Alors, ça, à l'époque-là, qu'ils ont fait, je prends ça la graisse-là, je passe l'île, hein? Je passe ça, l'eau, ça, bateau, l'eau, ça, 10 bois de ça, bateau-là, comme ça, dès le la mer, pas mange l'île. Comme ça, dès le la mer, il n'a pas mangé ça, 10 bois-là. Alors, ben Dimon, y'a Rasulallah, ben Dimon, service à la graisse-là, pour passer ça, l'eau, le bateau. Ou ayoud hanou biha al-jouloud. Et passe à l'eau la peau. Qui la peau? Ici, du loup, c'est la peau. La peau des animaux qui, ben, du monde fait tanning avec ça. Hein? On coupe un bœuf, ça la peau là. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? On coupe un bœuf, on prend ça la peau là, pour faire tanning, faire living cuir. Hein? Ça procédé là, avec ça, tanning. On prend la peau là, on met quelque chose chimique avec lui, mettre de soleil, laisser sec. Les bouvines cuir. Mais dans cette époque-là, quand ben là, tu peux faire cuire, je passe la graisse l'eau à la peau de ces animaux-là. Qui fait je passe la graisse? Pour moi, d'après l'explication, mon savant vient de donner, c'est qu'il fait ça à la peau-là, il mou. Il empêche lui, il dire. Alors, servir ça, il y a Rasulallah, est-ce qu'il nous pourra servir ça pour passer l'eau à la peau qui fait un tanning avec ça-là? Ça, la graisse de ces animaux qui mou là. Alors là, et sa personne-là, comment tu poses question? وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسِ et ben du monde service à la graisse là pour allumer la lampe. Alors à l'époque là, je vais prendre la graisse, je le mets dans un récipient, je mets dans la messe avec lui, je t'allume lui, je service ça comme de l'huile pour allumer la lampe. Donc il veut dire que ce sahabi là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait connaître qui pas gain droit vendre les animaux qui mourent. Le Sahabi là, il pose question, des animaux qui nous là, est-ce qu'ils nous capables de bénéficier avec sur la graisse? Parce qu'il ben dit mon service sur la graisse là, parce que je le bateau, je te passe ça le la peau, qui pour faire cuire avec ça, faire les mou, et je t'allume ben la lampe avec ça la graisse là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire là, oh là là, non. Hua haram, li haram, ça qui chose là. Écoute bien, mon frère. Écoute bien. Ça bout que le prophète dit là, huwa haram. Non, ça li haram ça. Il y a deux interprétations. Qu'est-ce qui fait qui haram là? Est-ce que ça là, ça non que le prophète peut dire là,
libérer à la vente. Parce que la première phrase que le prophète dit, c'est tellement Allah il fait haram la vente du vin, la vente d'animaux morts, la vente khinzir, la vente de ban idol. Right? Ça. Et deuxième parole que le prophète dit, quand Dimoulin pose question, Dimoulin pose question, est-ce qu'il a service à ban, est-ce qu'il a service à la graisse là, pour passer le bateau, pour passer ban la peau de ban animaux qui ban la peau qui peut faire le cuir avec ça, est-ce qu'il a service ça comme la lampe? Est-ce que le prophète peut dire là, il peut dire là, pas n'a pas van la graisse animaux ou bien il peut dire pas servir ça pour sa ban quelque chose là. Et une interprétation, il a dit des différentes interprétations de sa négation que le prophète dit là ou haram, non les haram. Qui a fait que haram le prophète peut dire là? Non, les haram pour van la graisse des animaux qui mourent ou bien le prophète peut dire non. Ça va être quelque chose qui te mentionne là, servir la graisse pour passer au bateau, pour passer l'eau, la peau qui peut faire cuire avec ça, pour passer, pour servir, pour allumer la lampe avec ça. Est-ce que c'est ça que les prophètes peuvent dire non là? Alors la plupart, ça avant dire, ça là, ça non que les prophètes peuvent dire, les haram ça, les peut référer à bénéficier avec, pas bénéficier avec ça, ça la graisse des animaux qui mourent là. Donc pas servir pour passer au bateau, pas servir pour passer la peau pour faire tanning et pas servir pour allumer la lampe avec ça. Donc la plupart savants dire quand les prophètes disent la ou haram, qui veut dire ça? Non, les haram pas servir la graisse des animaux pour passer le bateau, pour passer la peau qui pour faire tanning avec ça, ni pour allumer la lampe avec ça. Ça c'est l'interprétation de la majeure partie de Banzavant. Et la Banzavant se dit non, sa négation là, il peut référer à la vente. La vente des animaux qui mourent. Donc, un petit ban savant, je veux dire qu'il gagne droit à servir sa ban la graisse des animaux qui mourent là, pour passer au bateau, pour allumer la lampe avec ça, pour passer l'eau, la peau qu'il faut faire, cuire avec ça. Mais ça, c'est une minorité de ban savant. Ça, c'est une minorité de ban savant. Donc, vous espérez les clés, l'eau, ça échoue là. Vous espérez les clés, l'eau, ça échoue là. Vous aurez dit, la plupart ban savant, je veux dire, sa négation là, il peut référer à servir la graisse. Ça va des animaux qui mourent là, pour faire ça va des choses qui mangent là, mais je passe le bateau, passe le la peau pour faire tanning et pour allumer la lampe avec ça. Thum ma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Qatal Allah li yahoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah maudit ban juif. Et il y a des interprétations du mot Qatal. Et il y a des avancées qui disent qu'Allah détruit les autres et il y a qui disent qu'Allah maudit les autres. Qatal Allah li yahoud. Ça mot-là, Qatala, littéralement, veut dire la guerre. Quelle est la guerre contre Bani Yahoud? Ici, il veut dire soit malédiction ou bien détruire. Qui Allah maudit Bani Juif ou bien qui Allah Ta'ala li détruire. Qui fait frère sur l'islam? Il y a beaucoup de place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne malédiction à Bani Juif. Parce qu'il est un qaoum qui fait beaucoup de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne fais beaucoup de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui, vous trouvez dans le Coran, juif, Allah Ta'ala raconte des histoires dans Surah Baqara. Et c'est extraordinaire quand on commence le Coran même. Ça, Surah Baqara est rempli avec des histoires de Bani Israël. Et Baqara ne connaît ça. Le nom de sa Surah là, il prend, il déduit des histoires de Bani juif qui, Allah Ta'ala, donne autres l'autre pour faire sacrifice en basse. Et je t'y fais un tas d'esquisses, je t'y tire. Tu peux éviter, tu peux implémenter la loi Allah. Allah Ta'ala, il raconte des histoires pour qu'il nous connaisse des plans, des complots. Comme Allah peut aujourd'hui, quand il peut cause des affaires comme New World Order, mais tous les temps, il a comploté ça. Tous les temps, il a comploté pour détruire, régner et détruire l'insan. Quand vous lisez la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous trouvez, quand le prophète rentre dans Medina, écoute bien là, l'histoire se répète. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans Medina, il y a un juif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentre dans Medina, il y a des grandes tribus qui appellent Aus avec Khazraj. Ben là, je n'amène Iman dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je n'arrête la guerre. Je fais la guerre tout le temps, Rabban. Je commence à suivre le prophète. Oh, ça avec Khazraj, je n'arrête la guerre. Ban juif, pas t'y content. Ban juif, t'y content qui tout le temps, ban arabe.
ban arabe polythéiste de Médina conti la guerre entre eux autres qui fait parce qu'ils ban juifs le type ban capitaliste et quand ban tribu arabe type la guerre de Médina ban là type prend l'argent en emprunt avec ban juif et ban juif type donne l'argent en emprunt l'eau l'intérêt get dans l'histoire ban juif le type ban capitaliste qui ban arabe ban tribu arabe de Médina type prend l'argent en l'eau l'intérêt avec eux ban là type je type affaibli ça ban arabe là ban arabe la guerre entre eux et je te renforce économiquement mais aujourd'hui c'est même qui juif préfère la banque mondiale là se contrôle et tout cas été plan pour les détruire l'économie du monde c'est pas qui ban qui ce qui je te fais Allah Allahu alam et peine à doute qui c'est ban comploté et je te là pour vanzom pour l'end money à l'eau l'intérêt et je te régner et je te régner donc ça lit tous les temps ça. C'est pas dernier de rien de nouveau. Rien de nouveau. Donc, nous bisons qui cherche l'éducation. Nous bisons cherche l'éducation. Et pour comprendre le complot de l'ennemi, qui fait l'un raconte l'histoire de manière haute dans Sourate Baqara. Comment nous pouvons connaître l'ennemi? C'est pas à l'autre bande documentée, au YouTube. Oui, nous bisons faire lire. Malgré une bande documentée, l'autre nous peut trouver un paquet de choses. Mais pour nous connaître l'ennemi, qui est dans le Coran, qui est dans la Sunna. Pour nous connaître le plan de l'ennemi, Coran, Sunna, Allah Ta'ala infini décrit nous, Saban Yahoud, là, bout en bout de Coran. Donc, nous, la source, Coran. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec Hudhaifa, Ya Hudhaifa, ta'allam kitab Allah wa amal bima fihi. Apprends le livre d'Allah et fais action, l'eau, ce qu'il y a dans le livre d'Allah. Le livre d'Allah qui décrit complot de ban comploté. Donc, qu'Allah Ta'ala fait nous retourner vers ce livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Qatal Allah al-Yahoud, qu'Allah les détruit ban juif. Inna Allah harrama alayhim al-shuhum. Certainement, Allah il fait haram la graisse pour ban juif. Qui veut dire ça, frère, en islam? Qui veut dire ça, frère, en islam? Et ban juif, ban Yahoud, tellement je suis mauvais. Tellement je te fais l'entêtement. Hein, comme nous connaissons des histoires sur la Sourate Baqara, je dis maintenant, quand Allah dit avec sa groupe juif-là, fais sacrifice un vase. Je dis, mais qui coule un vase là, bien été? Hein, qui se lâche, bien été? Comment les. Je te commence à poser ta question. Hein? Je tiens à l'entêtement dans eux. Allah met la loi aux ban juifs qui, à cause de l'entêtement, quand je peux couper des animaux, je te gagne vraiment 10 lâchés. La graisse de ces animaux-là, je ne pas gagner à manger. Allah, tu mets ça la loi là pour ban juif. Je ne pas gagner à consommer la graisse de ban animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah détruit ban juif. Allah fin fait haram le jeu de la graisse. Les animaux, fa ajmalouhu. Je ne fonce à la graisse là. Thumma ba'ouhu. Ensuite, je te vanne ce prix. Je te vanne lui en tant qu'il est l'huile. Fa kalou thamanahu. Et je te mange ce prix. Je te mange ce prix. Déjà, l'un des jeunes n'a pas consommé la graisse. Qui je te fais? Je te contourne la loi là. Je ne pas consommer les jeunes. Qui je te fais? Je te sens ce nature. Je te fonne la graisse là. Après, je te vanlis. Après, je te prends l'argent. Je te prends casse. Je te vanlis, je te prends sa casse là. Je te servis. Veuillez, je te contourne la loi là ce matin-là. Je te contourne la loi là ce matin-là. Un autre exemple qui ban juif dans le Coran, Allah, ça c'est une caractéristique ça. Dans le Coran, Allah t'a mentionné Ashabu Sabt. Ashabu Sabt, les gens du samedi. Sabt veut dire samedi. C'est un groupe de bandes juifs qui se tirent prêts avec la mer. Alors, Allah teste eux. Allah Ta'ala, il fait haram le jeûne pour je travaille le samedi. Allah fait haram pour je travaille le samedi. Le samedi, c'est un jour de repos pour sa bande juif là. Alors, qu'est arrivé? Sa bande là, c'est une bande pêcheur. Je fais la pêche. Dans la semaine, je n'ai pas gagné poisson. Quand je te la paix, je travaille, je n'ai pas gagné difficile, je gagne poisson difficilement. Mais le samedi, quand Allah fait haram pour je travaille, poisson, tu peux paraître en abondance. Poisson, tu peux venir d'en haut, tu peux sauter là-haut. Allah teste tes œufs. Un test qu'Allah fait avec eux. Qui je t'y fais? Qui je te fais? Je te prends casier depuis la veille. C'est pas vendredi, je fais mettre casier dans la mer. Samedi, quand poisson rentre, quand poisson vient prêt, poisson tâche dans. Dans casier. Là, dimanche, je tire casier, je prends poisson. Allah ne jette pas travail, mais c'est moi qui je viens faire. Je ne fais un contour, je ne contourne la loi Allah.
je mets de casier, je dis, nous, ne pas faire travail, nous. Mets de casier, mais là, dimanche, je tire poisson. Alors, comme ça, ici, pareillement, Allah fait haram la graisse, et qui je te fais, je te prends la graisse là, je te fonlis, je te vanlis, et je te consomme ce prix. Donc, ça, c'est une qualité de ban juif, ban musulman, fallait pas qu'il ne tombe dans la catégorie, puis pareil comme ça, ban juif là, qui ne sévit ban hila, ne sévit ban subterfuge, comment le dire, ben stratagème, comment le dire, pour nous contourner la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est haram. Ça, c'est haram. Donc, un djimon, il prend la loi Allah ta'ala comme elle était. Il ne contourne pas la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pas faire bigini vin burkini. Il ne pas faire bigini vin burkini. Ou bien, il va prendre la musique, il met des paroles arabes là-dedans, après, il dit anachid islamique. Non, il ne fallait pas qu'il nous contourne Allah subhanahu wa ta'ala ce dîne de sa façon-là. Alors qu'Allah Ta'ala, il fait nous comprendre bien sa hadith-là et toujours nous retour et hadith dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala fait nous attache nous fermement avec avec sa parole, Allah Subhanahu wa Ta'ala sa parole et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Ta'ala fait nous bénéficier. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.